Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle émission ça que nous connaissons régulièrement. Porté pour nous, non pas c'est Cindy Ducrépin et je dis à ma recevoir Miss Haïti 2022 qui parle autre que Midline Felizor. Midline nous connaît avec concours Miss Haïti que l'y remporté Anissa, elle va représenter nous dans Miss Univers. Bonsoir Midline. Bonsoir Cindy, bonsoir tout le monde. En forme? En forme et vous-même? Ça va, ça va, ça va. Donc, tu as le âme, tu as dit que c'est Miss Haïti 2022. Mais pour les gens qui probablement pas connaissent qui est-ce qui Midline, qui est-ce qui d'ailleurs qui va représenter nous dans Miss Univers, fais-nous faire plus connaissance avec ou dis-nous qui est-ce qui Midline. D'accord. Midline fait en cerveau. Moi, je suis dans le département NIP. Moi, j'ai 26 ans. Moi, étudie sciences juridiques. Moi, étudie hôtellerie tout. Ensuite, moi, j'étais monitrice de sport. Midline, c'est un mannequin. Qui est puis il y a une propre agence pal que l'a dirigé qui c'est agence Silhouette. Midline a participé dans Miss World Haïti en 2018 côté que elle a eu chance à représenter Haïti dans Miss Supranational et je dis que moi j'ai une autre chance que pour mal représenter Haïti dans Miss Univers. Mm-hmm. Vous avez dit tout à l'heure, parallèlement avec études, mais aussi un mannequin professionnel et d'ailleurs aussi propriétaire d'une agence mannequinat. Parlez-nous de l'expérience avec le domaine ça. Bon, ce n'est pas un domaine qui est facile, il faut que je sois honnête. Et moi, commencé avec le mannequinat, c'est grâce à papa, parce que c'est lui-même qui t'a encouragé à m'inscrire. Et moi, commencé à prendre ça au sérieux à partir de 2015-2016. Et puis, je suis capable de dire que c'est grâce à mannequinat qui fait que je réalise un pile belle bagaille dans la vie et m'a fait un bagaille que je remets tout. Parce que lorsque je fais un bagaille dans la vie, il faut d'abord faut qu'on remette. De pour remettre, il faut arriver quand on veut arriver. Ensuite, après l'expérience, je suis mis sur le national, côté que je suis top modèle pour Caraïbes Blanc, je suis décidé de lancer Agence Silhouette qui se propage par moi. Agence Silhouette, et combien de monde gagne là-dedans, combien de jeunes mannequins ou bien qui gagne là-dedans? Pour le moment, excuse-moi, pour le moment, nous gagnons plus de, on peut dire une soixantaine qui est dans l'agence là. Ok. Mm-hmm. Est-ce que il y a une différence entre nous connaissons ici en Haïti, il y a une pile agence mannequin. Est-ce que il y a une différence entre l'agence pour là avec l'autre? Oui, il y a une différence et c'est ça qui fait beauté Silhouette et c'est ça qui fait un pile jeune tout, un pile parent fait nous confiance. Du fait que je suis passé dans l'agence déjà, moi quand ça veut dire comment mannequin, yo traité mannequin en Haïti. Moi, quand ça veut dire qu'il sacrifie sur mannequin fait lui-même pour vendre produit designer ou boutique. Donc, l'un de ces silhouettes, moi, dit que c'est pas un monde qui a posé tout une seulement qui est capable de mannequin. Si tout le monde qui n'a mannequin n'a pas voulu arriver même côté. Donc, dans silhouette, moi, quitter tout le monde. Ou vini, ou voulez poser un bikini, pas de problème. Ou pas voulez poser un bikini, les contrats qui pas bikini, ou poser. Nous respectons les gens, nous baillons les valeurs que nous méritons, nous ne pas respecter les gens que nous disons. Donc, bon, c'est une différence. Et par rapport avec tout ça, je subis dans l'MT dans l'agence. Je ne suis pas moi, depuis que c'est ma silhouette ou venu, je ne pas subir. Tu as qui ça? Bon, nous connaissons le domaine, je ne parle pas seulement Haïti. Moi, je parle de Haïti, c'est parce que c'est là que je fais plus l'expérience. Mais dans le domaine même, il y a assez de mannequins en pile. Il y a des gens qui ont demandé pour coucher ensemble avec eux, pour avoir un contrat. Il y a des gens qui ont demandé pour qu'ils soient tout nus. Il y a des respectés ou ils ont demandé pour coucher ensemble avec eux. Donc, tout ça, nous pensons que nous avons besoin de changement dans l'industrie. Par rapport avec ou même aussi un propriétaire d'agence de mannequinat et tout, ou bien une fondation? Oui, qui c'est Silhouette Fondation. Mm-hmm. Qui a créé Fondation? Silhouette Fondation, c'est qu'on a lancé ensemble avec Miss Haïti. J'ai commencé avec un projet moi, côté pour moi et des petits mouns depuis l'enfance, moi, j'ai perdu ma maman. Mais là, c'est qu'on a lancé Fondation. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs autres fondations, comme pour Fondation Raquel Pélissier, qui c'est qui nous a aidé. Mais pour le moment, moi, je voulais travailler pour me lancer propre fondation par moi avec Miss Haïti. Donc, fondation, non. C'est avec concours qu'on a placé. Exactement. Donc, le projet a été commencé, mais c'est avec l'autre fondation que moi j'ai habitué à travailler. Ah, ok, ok. Donc, tout à l'heure, vous avez dit dans la présentation là, que Midline, c'est participé déjà d'ailleurs dans Miss World et vous êtes première dauphine. Oui. Et c'est grâce à Titsa que vous avez représenté Haïti dans Miss Supranational. Et là, vous avez Midline qui a participé dans Miss Haïti Univers. Mm-hmm. Parlez-nous de l'expérience dans la vie. Bon. L'expérience a été
différent dans un sens pour moi personnellement parce que en 2018 moi j'ai gagné 22 ans j'ai participé dans Miss World Haïti, c'était première expérience moi dans concours de beauté. Mm-hmm. Pas vraiment qu'on a qui ça m'était embarqué. Donc toute bagarre était nouveau pour moi. Même si j'étais déjà dans le domaine mannequinat, j'étais déjà mannequin, mais c'est différent. C'est différent un mannequin avec un miss, c'est pas même bagarre du tout. Donc toute bagarre qui t'a privé était nouveau pour moi et toute bagarre était affectée plus facile tout. Différent dans quel sens? Tout bagaille, puisque tout bagaille était nouveau pour moi, tout bagaille était affecté moi et pas tant que. Si on me frottait en critique sur moi, ça t'a affecté souvent dans Miss World Haïti. Non, l'homme dit différence, c'est parce que on dit que il y a une différence entre un monde qui mannequin avec un monde qui miss. Bien sûr. C'est quoi la différence? Bien sûr. Il y a un monde qui mannequin. Pour moi, il y a un monde qui mannequin, ou à vendre un produit designer, ou à vendre un produit boutique. Ou à vendre ça au côté. Mais yon mis, ce n'est pas seulement ça. Yon mis, c'est représenter pays ou, vendre culture pays ou, vendre beauté pays. Depuis yon ouais, yon ouais Haïti. Mais yon mannequin, c'est différent. Depuis yon ouais mannequin, hein? Ça dépend de qui ça qui souligne. Yon pour mettre ça qui souligne. Si yon designer, yon pour designer. Yon pour ça mannequin à vendre. Mais là, yon mis, moi-même qui parle représenter Haïti depuis yon ouais, yon pour Haïti. Ça me reflète, c'est image Haïti. Yon mis là pour être un modèle pour tout le jeune, pour tout le monde. Ou pas qu'à projeter des choses qui sont négatives sur les réseaux sociaux, mais yon mannequin, il n'est pas obligé de faire tout le bagage pour lui. C'est ça la vente. Il représente une boutique, la vente de vêtements qui sont liés. Si c'est pour un designer, la vente de vêtements designer. Mm-hmm. Donc c'est différent. Ou dit, yon mis c'est un modèle pour jeune, yon. Modèle comment? Oui, modèle. Ok. L'homme dit yon mis c'est un modèle pour jeune. Yon. Moi-même, il y a des jeunes qui suivent sur les réseaux sociaux. Si ils ont écouté que je suis sorti, tant que je ne parle pas de l'histoire, parce que moi-même, j'ai perdu ma mère depuis que j'ai 5 ans. En plus, l'autre jeune qui doit perdre ma mère, il doit penser la vie finie pour eux. Surtout si c'est avec ma tante qui est levée, surtout si papa n'est pas présent pour eux. L'histoire, je suis capable d'utiliser l'histoire pour motiver eux. Ils n'ont pas obligé de faire pratiquement la même histoire ensemble avec moi, mais après, ils font moi-même, je fais. Et ça va motiver eux même pour ne pas abandonner, pour ne pas avancer. Donc c'est dans ce sens que moi je dis que y a un modèle pour les jeunes. Encourager les jeunes, bailler au conseil, c'est tout ça. Donc c'est wall y a mislié tout d'abord. Mais y a même qui n'est pas wall. Il fait ce qu'il veut, mais il n'est pas wall. C'est ça. N'a pas retourné sur deux expériences ça où tu es dans Miss World et Miss Univers. Parlez-nous de expériences ça. Oui, Jean, comme tu as dit tout à l'heure, c'était différent pour moi parce que dans Miss World, c'était la première expérience. Moi, tout le bagage était nouveau pour moi, tout le bagage était affecté plus souvent. Mais dans Miss Haïti, moi, je suis allé à qui ça m'a attendu, à qui ça m'a attendu. Puisque je suis allé à l'expérience déjà, si je suis mettre en rade, je vais jouer pour me mettre, je dis OK, ça arrive. Je prends l'autre. Si je critique moi, je dis OK, j'ai tout ça là-dedans. Je vais avancer. Pour moi, je viens de plus de maturité tout, parce que je connais pas 22 ans encore. Donc ça aide moins. Ouais, bagaille différent. Tout stress ne prend pas mis sur Haïti, je ne prends pas même stress dans mis Haïti aller. OK. Sur compte Instagram où tu fais un post après couronnement où tu dit que c'est comme si tu vivais un rêve éveillé. Parlez-nous de parcours rêve éveillé ça justement. OK. Après participation dans Miss Supranational. Moi j'ai décidé pour moi participer à Miss Haïti en 2020. Mais puisque Miss Haïti pas de jambe fait, je voulais abandonner rêve ça. 2020-2021, il pas de jambe fait, je dis qu'est. Je commence à grand monde parce que moi j'ai 27 ans alors. Et année à même. Donc je pensais que rêve ça, il pas réalisé. Dans le moment que rêve là pour réaliser, il y a possibilité pour le réaliser, je qu'on a dit tête moi et comme si m'a imaginé que m'y était un grand monde qui a gagné un regret du fait que m'a pas participé dans Miss Haïti. Donc là m'vient tendre que Miss Haïti t'a fait année hein, enfin je que me dire voilà, mille nous pas réaliser rêve ça. On va pas gagner un regret encore. Peu importe gens ça passé, on va jamais dire me regrette. C'est quoi ça me dit. Donc et là c'était facile pour toi? Est-ce que dès le départ, vous avez dit, bon, là, je vais gagner ça là? Non. Pas d'expérience. L'offre d'expérience pour réussir dans la vie, ce n'est pas facile. Sauf que moi, je dis que, il y a un problème, il y a quelque chose qui était affecté dans Miss World. Soit si vous avez fait un commentaire négatif sur moi, il n'est pas affecté même gens dans Miss Haïti. Parce que depuis avant que je prenne une décision, je vais accepter ça pour arriver.
mais pas d'expérience, pas de concours qui est facile. Tu as l'autre concurrent, tu as même un potentiel. Il n'est pas facile, il faut que moi-même je travaille tout, lever chaque matin. Ce n'est pas juste faire photo. Là, on regarde des photos, mesdames, mais ce n'est pas seulement ça nous fait comme activité. Il faut lever bonnet, il faut préparer, ou suivre des formations et autres. Vous comprenez, donc pas de gain qui était facile, mais il était moins difficile par rapport à 2018. Et pour qui ça a été important pour participer à la Miss Univers? En fait, la Miss Haïti Univers? Ok, là, je prends décision. Alors, là, je prends décision, ça fait longtemps. Mais l'année, la Miss Haïti, l'ancienne inscription. Je me suis commencé à dire que quelqu'un voulait participer à Miss Haïti. En plus, je me suis découragé. Surtout, je me suis dirigé à une agence de mannequin. Donc, c'est comme si je me disais. Pour ça, c'est comme si sous mannequin, on n'avait pas de Miss, ça passe. Non, une directrice d'une agence. Mm-hmm. Ça veut dire que directrice d'une agence, c'est un mannequin que je t'envoyais. Donc, l'agence, c'est limite. Moi. C'est comme si je me suis agence comme limite. Je ne suis pas faire plus gros exploit que ça. Je dis non. Au contraire, je pense que c'est un exemple pour les jeunes. Donc, c'était en quelque sorte un défi pour. Participer à Miss Haïti, c'était un gros défi pour moi. C'était tellement de gens qui ont découragé, je me dis, Midline, je me suspecte même si je me dis, ah, bon, même les premières dauphines, même si tu as un bagage entre Miss là, la première dauphine, même si tu es là, que tu as plus de plus. Mais je me dis, non, peu importe la place où tu as Miss Haïti en Midline, lancez-le. Ou pas besoin comme ça mon abdi parce que et pas au même cap regret ouais là ou gagne un regret ou gagne ou dit que si me te connais toujours là si me te connais me te fait tel bagaille dit que t'as passé ou pas faire encore moi dit que n'est pas déjà ça m'a lancé au moins m'a dit que moi t'ai lancé parce que l'offre une expérience comme ça pas perdu là-dedans ou pas prendre un bagaille quand même. Donc c'est ça qui t'a dit pousser participer dans Miss Haïti, me dit baba va donner agence là pas limite moi faut que nous pas tête nous limite parfois mon n'a quitté ego li fait pas réaliser rêve li mon a tellement senti li grand li dit non petit bagage ça pas pour moi encore non li pour découvrir depuis ses rêves faut faire pas côté ça mon a dit pas faire juste parce que mon est en pour un niveau ou de pas baisser tête alors que ses rêves ont passé toute vie ou pour regret du fait que ou pas réaliser rêve. Donc ça t'a motivé moi en pile pour me participer dans Miss Haïti. Vous avez dit dans le commencement que vous avez une fondation que vous avez lancée avec Miss Haïti. Pour qui ça avant Miss là ou pas lancer fondation ça? Tout le bagage est fait étape par étape. Dans 2018, j'ai dit qu'on a travaillé ensemble avec l'autre fondation. Maturité assez avancée. La première c'est plus maturité n'a pas gagné. À 22 ans, j'ai participé. J'ai fait Silhouette Agency. J'ai participé avec plusieurs autres fondations. Je n'étais pas capable de lancer Silhouette Fondation. Je n'étais pas capable. Et même pour qu'on y ait la Silhouette Fondation, pour faire Silhouette Fondation vraiment. Là, je voulais commencer ensemble avec Miss, avec la plateforme que Miss Haïti lui-même, il y a ban moyen. Puis la plateforme que la ban moyen. Moi, toujours dire, ça ne pas prendre trop de bagues en même temps pour ne pas échouer, étape par étape. Mm-hmm. Mais nous connaissons que Miss Univers n'est pas seulement un concours de beauté. Mm-hmm. C'est un concours côté, mesdames, vous avez un projet que vous avez déjà lancé ou bien que vous travaillez sur lui depuis quelques temps. Mais ou même voilà que vous avez une fondation qui peut même bien chita. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas un petit genre handicapé participation là? Non, il n'est pas handicapé participation parce que le projet moi-même, je n'ai pas fait commencer ensemble avec elle. J'aime que justement ça me dit à l'heure moi perdu maman depuis me t'ai gagné 5 années et bon bref pas levé ensemble avec papa ça veut dire moi pas vraiment consacré le l'amour maternel c'est orpheline de mère moi levé ensemble avec une tante moi moi comprendre ça me vivre de enfance moi comprendre les petits monde ni même ni pas levé ensemble avec parents ça l'a subi ouais là son petit monde pas gagné maman ouais même si on monde dit ou prend téléphone ça pour lui. Ça dépend de ton lit, tu as dit que si tu es maman, tu ne peux pas parler avec moi comme ça. Tu n'es pas heureuse du tout. Si tu n'as pas une bonne famille qui est bien entourée ou qui a besoin d'amour. C'est ça que ton slogan, moi, je dis que tout le monde a besoin d'amour. Orphelin a besoin d'amour. Donc, avec Miss Univers, je ne suis pas obligée de lancer une fondation pour me réaliser un projet comme ça. Et je commence à travailler sur ce projet. Ce n'est pas la première année, ce n'est pas la deuxième année, je commence à travailler sur lui. Donc, je pense que Miss Univers, apprenez que projet. Non, l'homme te dit ça, c'est comme si mesdames ont souvent réalisé de pareil qui étaient concrets. Dans ce sens, et dans ce sens, ça me dit ça. Mais moi réalisé des bagages ensemble avec Timon et tout. Avec l'autre fondation, pas obligé vraiment, nous toutes pas obligé de fondation.
Vous comprenez? Nous ne sommes pas obligés de fondation pour nous réaliser, pour nous faire des bagages, pour nous poser des actions positives. T'as qui ça? Avec Timon Orphelin, yo. T'as qui ça en fait déjà? Ok. En 2018, tu as tout ami sur Haïti, moi t'es allé orphelinat d'Amabia à côté que nous jouer ensemble avec Timounio, faire des formations ensemble avec yo, bayo l'amour tout ça avec Raquel Pelissier dans fondation lien moi t'ai fait de même et moi quoi ça pour gagner 3 ou 4 mois, t'ai allé dans l'autre orphelinat encore avec Silhouette Fondation ça que me beaucoup lancer. Avec Silhouette Fondation moi t'ai fait même bagarre là. Donc c'est ça parce que si nous tout mettons dans patte là, Timoun ça va bien sentir que yo monde. Parce que j'aime Zolan, là où pas lever ensemble avec parents ou samedi. Lidi. On monde quand ils font bagarre là où juste penser ou dit et comme si vous-même ou pas monde. Donc attachement ça pour Timounio, il vient ou de propre expérience. De propre expérience. Voilà. OK. C'est vrai que Miss Haïti fini, mais pour Midline travail là, beaucoup fini d'ailleurs. Beaucoup aller dans Miss Univers, comment préparation oui? Est-ce que le stress est en lag depuis le couronnement? Comment ça est? J'aime toujours dire au monde, pas rien qui est facile. Ta propre pigou étape, elle est plus difficile. Je suis au courant sur tête, moi, le courant n'est pas léger, le courant n'est très lourd. Parce que après Miss Haïti, c'est comme si tu as dit que le combat a commencé pour moi, pour Miss Univers. Et justement, le staff Miss Haïti a travaillé très très dur pour moi. Même si bagala pas facile en Haïti, garder me supposé je dis là sans pile sacrifice me faire là pour venir dans ticket cause problème gaz et gui plusieurs autres médias encore me supposé faire et me supposé jouer une gaz pour tout ça c'est préparation. L'événement de plus sacrifice. Même connais que moi même moi prêt pour ça, et me déjà connais autour et avec staff Miss Haïti en tout parce que n'a pas arrivé faire ça nous capable pour Miss Univers. Qui ça gagne dans menu préparation? L'aime dit menu parce que là où se parler de interview qu'on gagne pour faire ça qui vient bien sûr avec avec couronnement ou, mais qui l'autre préparation qui gagne est-ce que gon sort en fait gon régime alimentaire ou doit adopter comment ça est baba là mais tombe juste avant Midline pas gagne régime alimentaire sauf que j'ai besoin de faire du sport pour être capable de pied en forme. D'ailleurs, je conseille de tout faire sport parce que le sport est bon pour la santé. Mais ce n'est pas pour vraiment garder la forme. La forme langue, c'est bon Dieu qui dit. Mais nous là, ou là pour aller représenter Haïti, pour faire mannequinat, la forme langue, n'importe quoi manger, la côté comme ça. Donc, nous n'avons pas vraiment un bon régime alimentaire. C'est... Ça n'a pas vraiment entré dans la préparation parce que. Mais même si n'est pas ça manger, pas vraiment prendre poids. Mais qui sont faits pour préparer? Non, ça c'était une bah supposé parce que bah qu'on est réalité, c'est ça que fait demander. Est-ce que gain qui sont faits comme préparation parce que me supposé pour aller participer dans un concours comme ça, faut qu'on prépare. OK, bon, même si mon yo pas attendre nous vraiment pour le moment, n'a travail, surtout moi même à travailler sur tête moi tout sur projet moi pour moi bien structurer projet moi pour Miss Univers, sur moi gain des formations pour mal prendre, gain ville natale moi tout pour moi aller visiter. Donc n'a travail, continuer suivre nous et puis n'a connaît tout update yo. Nous connaît que dernière fois Haïti est arrivé loin dans le concours, c'était avec Raquel Pelissier en 2016. C'était Miss, en fait, était première dauphine Miss Univers 2016. Depuis le ça, nous avons deux participations, mais qui nous capable de dire Haïti pas arrivé loin dans le concours. Est-ce qu'on pense avec Midline cette fois c'est la bonne? Ça ne veut pas dire que l'autre monde n'a pas de bon tour. Faut que je dise ça. Travail là, c'est un travail d'équipe liée. Faut que nous-mêmes, nous commençons à supporter Missio tout, parce que Missio vraiment besoin de ça. L'autre, Raquel est arrivée première dauphine Miss Univers, c'était vraiment, j'en dis, un gros exploit que nous avons fait dans le concours de beauté. L'autre, Missio vient tout, même yo vend image pays, bien tout, yo font bon travail. C'est un concours lié, c'est un monde qui vous gagne. Yo fait un bon travail et moi-même tout, je travaille Dieu, je travaille Dieu pour être capable de bien représenter Haïti et moi espérer faire mieux tout. Ce n'est pas seulement gagner,
Mais il faut bien vendre l'image du pays en tout, bien vendre la culture, vendre le site, le site touristique que nous avons. Donc l'autre mission, parce que chaque mission qui a représenté Haïti, que ce soit dans Miss Univers ou autre concours, il fait un gros travail et il m'a dit un pile sacrifice. Ça fait moi-même, je travaille, je suis Raquel tout, comme un modèle tout, et toute l'autre mission, tout est fort que vous faites, moi toujours parler ensemble avec vous tout, pour être capable de demander qui est work que vous avez fait pour ne pas faire, et qui ça vous a fait tout. Tout conseil ça va aider moi-même tout pour bien représenter Haïti dans Miss Univers en 2022. Là. Là, nous pratiquement arrivés dans le bout de la conversation, nous, à Midline. Est-ce que vous avez envie d'ajouter? Bon, ça, moi, j'ai ajouter, moi, j'ai dit tout le monde qui a regardé là. Pas attendre demain pour faire un bagage que j'ai envie de faire. Ça, j'ai envie de faire, oser faire. Ou quand j'ai quelques conseils, mais pas écouter ça, mon a dit que ou pas qu'à arriver, ou pas qu'à faire, soit pas réussir. C'est juste mettre sous papier ça, j'ai envie de faire, et puis oser réaliser rêve. Merci. Voilà, merci beaucoup, Midline, parce que tu as accepté de venir sur le plateau. Nous, hein? Merci, Cindy. Merci parce que vous te recevez jeudi. Hein? Donc, je dis à tout le monde, continuez à suivre moi sur Instagram. Non pas c'est Midline Felizor, je suis sur Instagram. Continuez à suivre la page Miss Haïti tout pour nous capables de connaître tout ce qui a passé. Supportez-moi. Merci. Et voilà, c'est là que nous mettons un bout à l'émission pour jeudi. Je nous tape là. Invitez-nous, c'était Midline Felizor, Midline qui a bien pour lui représenter Haïti dans Miss Univers, Midline qui a remporté le concours Miss Haïti 2022. Donc, m'a dit nous merci parce que nous avons suivi l'émission, nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine fois, mais avant d'aller tout, faut que moi remercier l'équipe technique là, Abdon qui était là, et puis n'a remercier Gaël Alexis pour maquillage là, et moi-même Cindy Duke Pemba, nous rendez-vous pour une prochaine fois avec un autre invité. Bye bye, à bientôt.